me smile. Oh, oh. And every time. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'application Mi Home sur votre PC. Donc, il suffit de télécharger l'application BlueStacks. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est BlueStacks, c'est un émulateur. Donc, vous tapez sur n'importe quel navigateur de recherche, vous allez voir. Donc, c'est BlueStacks. Vous cliquez là et vous pouvez télécharger BlueStacks. C'est gratuit. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je vais aller directement ici. Donc, c'est un émulateur d'Android sur votre PC. Et grâce à ça, moi, aujourd'hui, je contrôle tout ce qui est ma domotique de Xiaomi sur mon PC. Donc, très facilement, sans avoir de logiciel, de routeur, etc. Pour, par exemple, comme JDome, c'est un système... qu'on peut utiliser domotique, c'est un bon système, hein, mais il faut encore payer des systèmes, etc., des applications qu'il faut encore rajouter, il faut toujours payer. Donc moi, je suis pas d'accord de payer pour un système qu'on a déjà payé. Donc ce système-là m'en convient tout simplement. Donc là, vous pouvez voir, donc là déjà directement une notification. Hop, il doit avoir de l'activité à l'extérieur. Sinon, on peut contrôler n'importe quelle caméra. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici la caméra de mon garage. Donc, on a accès à la caméra. Voilà, on peut mettre en plein écran. Comme ça. Hop, voilà. On revient en arrière. Donc cette application vous permet aussi, donc ce logiciel plutôt, vous permet de contrôler n'importe quelle application Android. Donc vous pouvez jouer à Clash Royale, faire des jeux ou autres, ou des applications pour apprendre l'anglais par exemple, etc. Donc vous pouvez utiliser ça, ce système là. Donc la Dafang par exemple. Là il veut pas se connecter, pourquoi? Bon, parfois ça fait des petits caprices, hein. C'est pas 100% fiable comme le smartphone, donc il y a des tas d'attentes. Mais aussi il faut savoir là que je suis en train d'uploader une grosse vidéo, la grosse vidéo du capteur de température de chez Xiaomi. Et quand je upload, c'est vrai que ça, si je dois uploader aussi les vidéos, donc c'est pas évident non plus. Là, c'est une autre caméra d'une chambre. Vous voyez comme ça, par exemple, je vais vous montrer encore celle de la cuisine. Voilà. Et on peut aussi contrôler tous les capteurs de température. Par exemple, si on veut voir la température, voilà, hop, du garage. Donc c'est comme si vous avez le téléphone entre les mains. Donc voilà, chambre de l'étage, donc c'est pareil. Donc si je veux voir, donc ça va uploader, hein, ici, pour connecter au capteur. Donc le temps que ça se télécharge. Donc voilà, donc ça c'est le chauffage n'est pas mis, il fait vraiment froid à l'étage, il faudra que j'allume le chauffage ici. Donc le détecteur de fumée, on peut vraiment tout contrôler, j'ai le détecteur de mouvement, on peut vraiment tout faire comme si c'était l'application. Je pense que j'ai fait le tour, hein. Après découvrez par vous-même, vous allez voir, donc l'application BlueStacks, le logiciel plutôt BlueStacks. Donc c'était Dingo Dorwan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous. À la prochaine.